Applaudissez, il n'est pas mort, il est dans nos mémoires, Arafat et Moana. C'est avec beaucoup de tristesse que nous sommes là, mais comme il a laissé la Chine, et la Chine, c'est ses fans sont toujours dans la joie, malgré qu'Arafat est parti, ils savent que Arafat ne les a pas laissés, ne les a pas abandonnés. Voilà, il les a laissé de belles œuvres qui continueront à les égayer et nous sommes là aussi pour soutenir la Chine, pour soutenir la famille de DJ Arafat, pour soutenir le coupé décalé, car c'est la même musique, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Europe forever, on est ensemble. Nous sommes ici au Félicia pour rendre un grand hommage à notre président, notre leader, notre Daïchi, DJ Arafat. Voilà, c'est DJ Arafat qui a demandé à ce que nous soyons réunis ici ce soir pour lui rendre cet hommage. Et il mérite plus que ça. Arafat, c'est notre icône, c'est notre inspiration, c'est notre motivation. Arafat a mené un combat ici, celui de faire voyager le coupé décalé au-delà des frontières africaines. Aujourd'hui, le Daïchi se repose. Il a décidé de se reposer et nous allons continuer le combat qu'il a mené ici. Le coupé décalé vivra, vivra, vivra toujours. Je suis venu rendre un hommage à mon ami et mon petit frère, mon meilleur ami qui est Arafat DJ. Je suis venu le rendre un hommage. Je dis bien de choses à la Chine, je dis bien de choses à tout le monde, à tous ceux qui sont là. Et que ça me fait très mal de perdre un ami comme ça, qui est Arafat, qui est mon petit frère, qui est mon meilleur ami. Ça me fait très mal de le perdre, mais je suis là jusqu'au petit matin pour accompagner mon ami là où il serait. Franchement, ça me fait très mal de le perdre. Mais la Chine, toute la famille, on ensemble. De son vivant, c'était quelqu'un de très gentil, très respectueux, quelqu'un de cool, quoi. Bon, le caractère qu'il avait hors de la scène, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, le caractère d'un artiste, comme il le faisait, c'est son caractère à lui pour faire un peu le buzz. Mais en fait, c'est quelqu'un qui sera toujours gravé dans notre cœur. Et actuellement, j'ai très, très mal quand je parle de lui au passé. Moi, je pense que c'est la décision de Dieu. Je vous dis que dans la vie de tout un chacun, chacun a son étoile. Et puis, sois jamais envieux. On dit courageux, envieux, ne pourra jamais aboutir. Parce qu'il ne peut pas aboutir. Tu es courageux et puis tu es envieux. Tu te lèves matin, tu penses à l'autre. Tu dors la nuit, tu penses à l'autre. Au lieu de penser au souffle de vie que Dieu te donne. Dieu te donne ça pour que tu sois réel. Mais pourquoi Gondani, tu es le réel. Tu vois, non? Donc, le petit frère, il a confirmé.